Salut toi. Oh putain, mon micro il pue la merde. Ah, 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et c'est ça mes intros. Bref, what's up my boys, Sinchain. Les amis, aujourd'hui on va parler d'hier, je dirais même plus avant-hier, je dirais même plus avant-avant-hier, je dirais même plus quand j'étais petit. J'ai commencé à jouer à Fortnite en 2017, je suis tombé amoureux du jeu et on va bientôt passer en 2023. Mais aujourd'hui je me suis posé la question, quels a été les jeux qui m'ont marqué quand j'étais tout petit? Et pour ça il faut revenir en 2010. Mise en contexte, j'étais un enfant très turbulent et né de la famille. Je volais tout simplement le PC portable de mon père. Mon but était de jouer. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer en 2010? YouTube. En 2010, j'étais H24 sur YouTube. Et des YouTubeurs me donnaient envie de jouer aux jeux qu'ils présentaient sur leur chaîne. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur un jeu qui était ultra tendance à cette époque-là. C'était la grande époque de Call of Duty vs Battlefield. Moi, j'étais plus orienté Battlefield et c'était la sortie de Battlefield 3, un des meilleurs Battlefield de la licence. Sauf que Battlefield 3, c'est payant. Et en 2010, j'avais 11 piges, frérot. C'était compliqué à l'époque d'expliquer à mon père, non mais c'est pas violent, t'inquiète, c'est des pixels et tout, etc. Parce que les trailers des Battlefield, frérot, qu'est-ce que c'est? C'est t'es un mec de l'armée, tu tues des autres gars. Hein. Et ça faisait pas trop plaisir à mes parents. En plus, c'était payant, du coup, c'était mort. Sauf Battlefield a sorti deux licences gratuites. Battlefield Play for Free, non pas Fruit Free, et Battlefield Heroes. Ce jeu était gratuit et en plus ses graphismes étaient beaucoup moins violents, un peu à la Fortnite. Pour moi, ce jeu m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui et j'ai envie d'y jouer avec vous. Car comme je dis souvent, pour moi, Fortnite a recopié Battlefield Heroes. Battlefield Heroes est le Fortnite de 2010. Je déconne pas un poil, frérot. J'étais en train de faire mes petites recherches. Oh, je vais pouvoir y rejouer et vous le présenter, sauf que le jeu a fermé ses serveurs en 2015. J'ai cherché sur YouTube comment jouer à Battlefield Heroes et à ma grande surprise, comment télécharger Battlefield Heroes en 2021. J'ai rejoué à Battlefield Heroes en 2022. Des fans ont recréé le jeu avec des serveurs privés. Je peux jouer à mon jeu d'enfance? J'ai trop parlé les gars, je vais vous présenter tout ça. Voici comment commence le jeu. Tu dois créer ton personnage. T'avais le choix entre l'armée royale ou l'armée nationale. En mode, eux tu vois, c'est les méchants frérot. Et eux, c'est un peu les gentils. On va se faire un royal. Dans le jeu, t'avais trois classes. Le sniper, le soldat et le gunner. T'es quoi? On va se faire un gunner, frère. À l'époque, je m'appelais comme ça. The Big Bang Dead. Vas-y, jugez pas les refs, mais je vous jure que je trouvais ça stylé. Parce qu'en fait, Big Bang, les gars, dans le jeu, si t'es arrivé à faire 3 kills avec un explosif, tu faisais un Big Bang. C'est la chose la plus dure à faire dans le jeu. Alors, les gars, regardez attentivement. Est-ce que ça te fait pas penser un peu à Fortnite? T'as un skin, Bambi, t'es niveau 1 avec mon blaze. Et ça, là, ce que tu vois, c'est des funds. C'est un petit peu les V-Bucks, mais du jeu Battlefield Heroes. Ah, c'était une dinguerie, frérot. Avec mes parents, à chaque Noël, je demandais à mon père, est-ce que je peux avoir des funds? Parce que tu t'en doutes, il y a une boutique, frérot. Et ouais. Alors maintenant, le jeu, tu peux plus mettre du vrai argent parce que ça a été créé par des fans. C'était un jeu gratuit, mais par contre c'était un pay to win. Ça veut dire que dans le store tu pouvais acheter des armes qui mettaient plus de dégâts que tes armes basiques. Alors moi frérot, j'avais des skins de malade hein. J'avais bien mis peut-être 150€ dans le jeu, tu vois, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a le perroquet? Oh mec, s'il y a le perroquet. Il y avait un item, c'était le plus rare, c'était un perroquet que tu pouvais mettre sur ton épaule. Ils avaient même le lancé trouille, frère. Non mais c'est abusé. Oh, j'avais celui-là, je l'achète instant. Je crois qu'on est parti pour notre première game. Ça fait combien de temps j'ai plus joué? Je vais être éclaté mon gars. Il faut savoir que la première vidéo sortie sur ma chaîne, c'est une vidéo Battlefield Heroes. Oh my god! C'est quoi déjà pour danser? C'est ça! Oh my god! Wesh! Alors les gars, vous voyez, en haut il y a des drapeaux. Oh, il y a l'ennemi là-bas. Oh, j'ai mis des dégâts! Il est low! 4! Roquette! Il est parti où? Oh, je suis instant dans le combat là. Roquette! Ouh! Oh, j'ai mouru. Pour vous expliquer, en haut il y a des tickets. Moi je suis l'équipe bleue, en face c'est l'équipe rouge. La première équipe à avoir plus de tickets, à chaque fois que tu fais un kill, ça leur fait descendre un ticket, a perdu la game. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des gars chauds. Vu que c'est quelque chose un petit peu de fan, il y a que des tryharders. Et en plus, je suis niveau 1. Mais je vais pas me laisser faire. Je crois qu'il y avait un truc où je pouvais sauter et me roquette sur des toits en faisant ça, genre. Oh, ça fonctionne! Oh my god! Oh, la balle à mini là. On va le détruire celui-là. Oh, il a fait une roquette, frère. Ils sont en train de prendre le drapeau, non. Oh, on lui met des dégâts, on lui met des dégâts. Oh, mais j'ai envie de jouer toute ma soirée. Oh, là, je viens de me faire ping par un sniper. Ça, c'est un des pouvoirs qu'ils ont les ennemis. Ils peuvent me ping, là, toute la map, c'est où je suis. Alors, on va se roquer, c'est parti. Wouh! Ah, merde, j'ai oublié qu'on prenait des dégâts de chute. Oh, j'aimais bien me mettre ici, moi, et je tire là-bas. Souvent, là-bas, il y a des passages ennemis. Mec, j'ai plein de réflexes qui reviennent, mon gars, c'est abusé. Oh, là-bas! Je vais te faire mon kill, j'ai envie de faire mon kill, j'ai envie de faire mon kill, les gars. Allez, let's go, je veux mon kill, Non, je le vois plus. Roquette! Et on a eu le dernier kill. Victoire! Ouah, le premier, il a fait 22 kills, il est mort une fois. Moi, j'ai fait un kill et je suis mort deux fois. On va bientôt passer niveau 2, les gars. Oh, cette map, je la kiffe, frère. Là, en face! 33. Il a un HP. Oh! Un mec AFK!
Niveau supérieur, double kill. Oh, les dégâts qu'on lui a mis, let's go. En face, roquette. Oh, j'ai fait un balistique. Alors ça, c'est faire un kill avec un roquette. Oh putain, je kiffe, frère. Et si t'arrives à faire 3 kills comme ça, tu fais un big bang. Et c'est pour ça que je m'appelais The Big Bang Day. Je trouvais l'anglais à l'époque, c'était glace. Peut-être c'est pour ça aussi que je m'appelle le Chain, toi, c'est anglais. Oh, ils sont beaucoup trop. Double kill. J'ai plus d'HP. J'ai besoin d'un soin. Aïe, on est que des gunners. À la base, c'est un soldat, je crois. Et il m'a soigné, vous avez vu là le soldat? J'étais à côté de lui et il m'a aidé à me soigner, les gars. 36 à 9, il faut qu'on la win, les gars. Oh, il était low. Ah, lui là, c'est un soldat. Il a utilisé un pouvoir, vous avez vu. Double kill, let's go. Je vais mourir parce que quelqu'un m'a mis en feu avec ses balles en feu. Et ce soldat là, il a un skin incroyable, c'est il fait FOR. Et il t'envoie hyper haut en l'air, genre si t'es trop proche de lui par exemple. Les soldats, je crois que c'est 120 HP. Les snipers, c'est 90 HP. Et les gunners, c'est 150 HP, les gars. Wouh, let's go. Oh mec, on a géré, on a fait 8 kills. On est mort 5 fois. Oh, je kiffe de ouf. Mon frère, si tu passes par là, on était addict au jeu. Je pense que les plus grands soirs que j'ai avec mes parents, c'est à cause de ce jeu. J'y pensais en cours. C'était la seule chose que je voulais faire de ma vie pendant 5 ans de ma vie. Là, j'ai gagné 1 HP plus 10 VP de défi. Du coup, on va pouvoir améliorer une de mes habilités. Et ce que j'ai envie de mettre, c'est l'explosif canon. Et hop, on va le prendre et on va le mettre ici. Maintenant, avec mon tonneau, on va tenter de faire un big bang, les gars. Ok, les premiers ennemis vont être en face là-bas. Ah, c'était obligé déjà. Là, c'est l'attaque frontale là. Oh, punaise, comment on l'a fait monter en l'air. Faut qu'on l'ait. Il est où? Il est là. Bien joué. Derrière. Bien joué. Le but de ce jeu, vraiment, c'est de jouer ensemble, les gars. On va tenter de faire le tonneau roquette. Allez, allez. Roquette, tonneau explosif. Si ça, ça touche quelqu'un, ça multiplie les dégâts de ouf. Ennemi. Let's go, on y va. Protection. Let's go. Let's go. Oh, il y a un couteau. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Les snipers, ils peuvent se mettre invisibles pour venir te couteau. Ok, plus 3 kills, on a gagné. Let's go. Je vais tester une autre classe. On va jouer sniper. Hop là, sniper comme ça. On va le faire en mode il a pas pris le soleil. Comme ça. Et on va l'appeler Doolol04. C'était aussi mes anciens pseudos. Doolol04, c'est le blast de ma première chaîne que j'ai créée sur YouTube. En 2014, il me semble. Oh là là. Alright, mission Komodo. On est avec mon sniper, les gars. Je me suis mis en invisible. J'ai mon sniper que je viens d'acheter les refs. Il y a un mec là-haut. Wesh, il a pas de tête. Oh. C'est pas la chose la plus simple à faire, les refs. Je vous jure, ça lag. Voilà. Let's go. Let's go. Qui snipe le là-bas? Hein? C'est toi qui snipe, mon gars? Hein? Hop là, frérot, hop là. Il met 4 HP, je suis dans la merde, mais hop là. J'ai envie de jouer couteau. Couteau. Oh, let's go. J'ai annoncé, les gars. Let's go. Ok, un gars là, c'est un sniper. 29. Mort, let's go. Là. Mort, oh let's go. Ok, là il y a un mec qui va peut-être arriver. Là il y a un gars. 49. Il m'a tué, j'avais un HP, mon gars. Hé, tu vas faire un carton rouge, de quoi tu me fais un carton rouge, mon gars? J'arrive. Ah, là, on va jouer couteau, viens là. Couteau. Oh merde, il a fait la technique pour monter en détroit. Bah je peux pas l'avoir là. Attends, j'ai sniper. Oh non, ça a été trop beau, nos scopes. Mais attendez, ça fait longtemps, regardez comment j'étais chaud avant. 191 vues, frérot, regarde. Ça, c'est le gameplay avion qu'il y avait que j'ai pas pu vous montrer, les gars. Mais c'était Fortnite, frère. C'était fucking Fortnite. Hop là, petite danse, bien sûr, célébration. Faut savoir, les gars, que sur le jeu, la personne qui a le plus de kills s'appelle Mustang Togener. Et j'ai eu la chance, il y a 5 ans, de faire un 1v1 contre lui. Ah, j'étais un tryharder. Bam, roquette, bien sûr. Pour le jeter en l'air. Ensuite là tu utilises tes pouvoirs. C'est-à-dire que t'as le pouvoir bouclier, t'as le pouvoir pour mettre plus de dégâts, pour récupérer ta vie. Et là, il est dans le rouge et bam, j'ai tué Mustang Dogener, les refs. Ça fait plaisir. Ça c'était les tanks. Tu vois, comme Fortnite, frère, comme Fortnite, sauf que le jeu est sorti en 2009. Sur le jeu, il y avait double pompe. Genre en fait le gars là, dans son inventaire, il a pas genre une grosse AR. Il a deux pompes. Et regardez ce qu'il fait.
C'est hop, il switch entre ses pompes, vous avez vu, pour mettre le plus de dégâts possible, mec, c'est énorme. Donc en fait, même avant d'être fan de Fortnite, d'être devenu le youtubeur que je suis sur Fortnite, je jouais déjà à un jeu à l'époque qui ressemblait énormément au Fortnite qu'on connaît tous. Eh oh! Il était classe mon skin hein, quand même. Hein. Pile avant Fortnite, sur ma chaîne principale, je faisais des vidéos sur ce jeu-là. C'était le 17 octobre 2017 et le 22 octobre 2017, j'ai fait deux vidéos sur Battlefield Heroes. Sachant que, après, quand Fortnite est sorti, le 14 janvier 2018, j'ai fait ma première vidéo sur Fortnite sur la chaîne. Donc là, en fait, le jeu de mon enfance, c'est aussi le premier jeu vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, mec. Cette vidéo, c'est Battlefield Heroes 2017, face commentary. Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Heroes ou Revive Heroes comme vous voulez. Et aujourd'hui nous allons jouer Gunner. Waouh, c'est pas moi, non, c'est pas moi en fait, c'est mon frère jumeau les gars. Je vous explique, c'était il y a 5 ans, c'était mon frère jumeau. Elle fait combien de vues la vidéo? 800 vues. Tu vois là le perroquet que j'avais, c'était un truc ultra rare. Ah ça équivaut un peu à la Renegade Trader sur Fortnite, tu vois l'air. Mec, un peu les ennemis, oh là. Dis-moi comment tu trouves le jeu et surtout dis-moi quel a été ton jeu d'enfance. Les gamers, je vous invite à cliquer juste ici pour voir une autre vidéo masterclass. C'était une chaîne. Ciao bye. Zimmer.